Ces tueries de Djougou, justement, ont été condamnées par l'armée nationale congolaise. Et pour y mettre fin, elle a lancé par l'entremise du major Jerry Gbuelo du département audiovisuel de Sifa des opérations de grande envergure dans les territoires de Djougou et Mahagi, victimes des violences de ces groupes armés. Des déplacements massifs des populations de Djougou vers des lieux sécurisés. Pour ces, les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent ces actes terroristes et ignobles et informent les opinions locales, nationales et internationales que toutes ces exactions sont l'œuvre d'un certain monsieur Goudjoro avec son groupe armé qui sème la terreur ainsi que la désolation dans les territoires de Djougou et Mahagi. Hier, l'hélicoptère de la MONUSCO a subi des tirs de ces groupes armés lors de son passage sur l'espace de Giro. Il cite de noter que le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Ami Sekoumba Gabriel, a multiplié de nombreux contacts avec les chefs des secteurs et chefferies, les autorités politico-administratives et les élus provinciaux de l'Ituri, dans le cadre des sensibilisations de la population pour appuyer les forces armées de la République démocratique du Congo à neutraliser ces terroristes et son groupe armé.